Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Si c'est le cas, faites-moi signe. 5 sur 5, on vous reçoit, mon Dieu. 5 sur 5, 5 sur 5. Si tout passe bien, faites-moi signe. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Voilà, je suis en live détendu depuis ma résidence. Je vois des personnes ici qui sont déjà connectées. Il y a certainement un petit problème des réseaux. Je vous demande d'appuyer sur des cœurs et des j'aime pour que ce live ne soit pas signalé. Voilà, est-ce que tout passe 5 sur 5? Je ne vois pas les commentaires. S'il te plaît, je ne vois pas des commentaires. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Mettez-le en charge et demandez à l'évangéliste de partager dans tous mes groupes le live. D'accord? Ok. Voilà, soyez bénis. On me dit le son est bon ici. Le son est bon, le son est bon. Je vois Graziella Kabé, ma fille, qui dit le son est bon. Je vois Lynn Benoît. Ok, shalom, shalom, ma fille. Shalom. Je vois Amy Marie-Elie qui regarde. Je vois Annie Obian qui regarde. Je vois Nola Criselda qui regarde. Je vois ici Patricia qui regarde. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois Félicité Tchétché qui regarde. Je vois Karl Ambunda qui regarde. 5 sur 5, ça passe bien. Voilà. D'autres personnes qui viennent de se connecter, est-ce que tout passe 5 sur 5? Est-ce que tout passe 5 sur 5? Est-ce que tout passe 5 sur 5? Alors, si ça passe 5 sur 5, je vous demande de faire une chose. Aidez-moi à partager ce live et à toucher le plus grand nombre de personnes à être connecté, à nous suivre ce soir. Voilà, je vois ici Ngon Ngema Eddie Stephen, sois béni. Je vois ici Eden Parker Mundungi, sois béni au nom de Jésus. Je vois ici Nimbumba Estelle, je vois Chantou, ma Chantou. Je vois Indy Pambou, je vois Rodrigue. Ok. Rodrigue Bokoko, son excellence. Recevez toutes mes salutations et que la grâce de Dieu soit votre partage de partout là où vous êtes, dans les multiples tâches et fonctions qui vous sont assignées par le président de la République. Ok, le son passe bien. Voilà, est-ce que l'image passe aussi bien? Je vois Innocent NG, voilà, depuis la RDC, tout passe 5 sur 5. Je vois Joss Caps. Ok, soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez me signifier d'où vous me recevez présentement, d'où vous me suivez présentement, depuis quel pays? Je vois des personnes connectées déjà depuis la RDC, des personnes connectées ici au Gabon, que Dieu vous bénisse. Georgette Robin, sois bénie au nom de Jésus. Kaku Salomo, sois béni au nom de Jésus-Christ. Pruneille des dieux, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jonel Seulus, sois béni. Astrid Amici, sois béni au nom de Jésus. Voilà, Graziella me fait signe que l'image passe 5 sur 5. Alors, pourquoi il est très important de partager avant que je ne vous décline le vif du sujet? Vous savez que ma page fait partie de ces pages-là qui ont été restreintes. Donc, du coup, tous mes abonnés ne reçoivent plus les notifications en même temps. Donc, il y a des personnes voilà, qui sont suspendues de suivre mes lives parce que ça a été restreint un certain nombre de partages. Donc, pour répondre à l'algorithme, il faut repartager. À chaque fois que nous sommes en live, il faut partager, il faut appuyer sur des cœurs. Voilà, ne pas mettre les mauvais propos parce que c'est sur la base des mauvais propos qu'on peut signaler aussi un live et autres. Donc, des propos injurieux, des propos calomnieux, toutes ces choses-là. Donc, ce ne sont pas des propos à mettre en plein live. Ok, nous partageons rapidement. Ok, dépassons les plus de 500 personnes. Et voilà, je commence. Dans moins d'une minute, nous dépassons les plus de 500 personnes. Et voilà, je rentre dans le vif du sujet. Déjà, j'aimerais m'acquitter d'un devoir. Je ne l'ai pas fait depuis que nous avons commencé la nouvelle année. Mais en esprit, je l'ai fait. J'ai prié pour vous. Vous savez que lorsqu'un prophète se retire, ce n'est pas qu'il a un problème, ou ce n'est pas qu'il se reproche de quelque chose, ou qu'il est faible. Mais c'est parce que, bien aimé, il est caché et plongé dans la présence parfaite de Dieu.
Donc, j'ai prié, et pour ceux qui me suivent en inbox, j'ai fait mes programmes sur la plateforme Zoom, des programmes qui bénissent le plus grand nombre de personnes. J'aimerais m'acquitter de ce devoir, celui de vous souhaiter mes voeux les plus sincères, mes voeux de santé, mes voeux de bonheur, de prospérité, de longévité. Nous avons commencé une nouvelle année, 2024. Le nombre 24 est relatif au chiffre 12. 12 dans l'heure ou encore dans la montre est relatif aussi au repos. Le chiffre 12 est relatif au repos. Voilà, ce même nombre-là aussi, 24, c'est relatif à la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans Matthieu chapitre 25, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges que chacun ayant pris leur lampe s'en allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient sages, 5 étaient folles. Les folles ne prirent point d'huile et les sages prirent de l'huile et mirent dans leur lampe au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est minuit. Donc 24 heures. Donc à 24 heures, l'époux est arrivé pour chercher son église et celle qui avait l'huile, celle qui était prête, sont celles bien-aimées dans le Seigneur qui vont aller avec l'époux. Et ma prière est que parmi les vœux que je te souhaite, que ta foi en Christ puisse shifter, que ta foi en Christ puisse augmenter, que tu fasses des choses extraordinaires avec Dieu dans ce temps. Que le Seigneur t'amène à réaliser l'irréalisable. Que le Seigneur augmente ta foi, ta manière de voir, ta manière de servir Dieu, ta manière de comprendre l'Évangile. Qu'il y ait une différence dans ta manière de servir Dieu. Qu'il y ait une très grande différence. Ce que tu vas faire va tellement étonner le monde entier que les gens viendront à toi pour vérifier vraiment si tu es un humain. Oui, parce que Dieu va t'utiliser puissamment et tu vas faire des choses extraordinaires avec lui. Donc, mes voeux encore de prospérité, parce que 2024, c'est une année où le Seigneur va ouvrir toutes les portes des bénédictions financières et Dieu va bénir le plus grand nombre de personnes. Je vois plusieurs personnes en train d'appuyer des cœurs et de partager ici. Ma prière, et ça je prophétise dans la vie de plusieurs centaines de personnes connectées ici, que cette année puisse t'apporter la prospérité financière que tu n'as jamais reçue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu touchera des personnes au nord, au sud. La Bible déclare, il leur donnera, en Deutéronome 28, il leur donnera à la bénédiction de venir vers toi. Il leur donnera à la bénédiction de venir vers toi. Parce que selon Dieu, la bénédiction n'est pas que le matériel que nous possédons. La bénédiction n'est pas que l'argent que nous possédons. Mais la bénédiction aussi, c'est la connexion avec les personnes qui sont censées nous apporter ce matériel ou encore cet argent et tous ces objets-là. Ma prière est que Dieu te connecte en cette année aux personnes qui sont censées te faire rentrer dans ta bénédiction. Que Dieu te connecte en cette année aux personnes qui sont censées t'ouvrir le chemin. Là où tu dois être, Dieu passera forcément par un homme afin que tu sois introduit là-bas. Si tu as dit Amen et tu as partagé dans les vœux que je te souhaite pour cette année, je déclare et j'ordonne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, que Dieu touchera les cœurs des hommes, des femmes, de partout dans le monde, afin que toi tu puisses monter et que tu sois béni et que tu fasses des choses extraordinaires avec Dieu. Est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs? De peur que le live ne soit signalé, appuyons sur des cœurs et partageons. Nous faisons reprendre l'algorithme des pages qui ont été signalées. Voilà, appuyons sur des cœurs et partageons. Vous pouvez m'aider à appuyer sur des cœurs et partager au maximum. Donc, mes voeux de bonheur, surtout de santé. Cette année, tu ne tomberas pas malade. Dis Amen. Cette année, tu ne tomberas pas malade. Que Dieu éloigne autour de toi. Voilà, toute forme d'épidémie, coronavirus, la grippe, peu importe, les virus, là, le VIH, SIDA, les cancers, toutes ces choses. Que Dieu éloigne cela de ta famille, que Dieu éloigne cela de toi. Donne-moi un Amen là où tu es. Oh, crie Amen pour que j'entende cela où je suis. Tu peux crier Amen pour que j'entende cela où je suis. Waouh, donc soyez bénis. Sachez que je vous aime beaucoup et pour cette nouvelle année, nous aurons enfin l'occasion de nous reprendre, de pouvoir reprendre les cultes et de célébrer Dieu. Pour notre pays, célébrer Dieu pour les nations. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Dans quelques jours, nous allons communiquer sur ça.
nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour le pays, nous allons prier pour les autorités. Et je crois qu'il y a tellement de messages prophétiques que Dieu a mis dans mon esprit, voilà, dans ces temps de repos, que je dois libérer sur l'Église en général, que je dois libérer sur des vies, et vous serez richement bénis. Donc, mon souhait aussi, c'est que cette année, nous puissions nous retrouver afin de célébrer Dieu ensemble. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, je ne suis pas de ces prophètes-là qui prend l'outil informatique à des fins de distraction ou à des fins de commerce et autres. Toutes les fois où je suis toujours passé sur Internet, j'ai fait preuve d'exemplarité. J'ai fait preuve, bien aimé dans le Seigneur, des retenues et des sagesses dans ma bouche. Je peux souvent utiliser cet outil informatique pour pouvoir me défendre, voilà, face aux attaques que j'ai, face aux accusations que j'ai, face à l'image que les personnes se donnent sur moi. Je peux l'utiliser et autres. Mais le Seigneur m'a toujours dit, tout outil que je mettrai devant toi, tu devrais les utiliser afin de bénir le plus grand nombre de personnes. Donc toutes les fois que je viens ici, toutes les fois que je me connecte ici, c'est pour bénir le plus grand nombre de personnes. C'est pour proclamer la grâce, c'est pour proclamer pour les captifs la libération et la guérison. Je suis de ces prophètes-là qui ne se prononcent pas contre Dieu et lui a pas dit d'aller se prononcer. Nous sommes une force. Vous êtes plusieurs ici à me suivre. Nous avons des centaines de milliers d'abonnés qui nous suivent, qui regardent nos programmes ici. Et voilà, donc on pouvait se servir de ça pour faire n'importe quoi. Mais nous sommes restés dans la sagesse. Et j'ai béni aussi le Seigneur pour votre sagesse. Vous êtes restés dans la sagesse. Vous n'êtes pas dans l'invective et autres, toutes ces choses-là. Mais vous êtes dans un esprit de sagesse et de discipline. Je vais revenir sur le point de l'actualité. Quand je parle de l'actualité, moi, mon actualité n'est pas politique. Mon actualité n'est pas plus liée aux choses de ce monde. Mais mon actualité, c'est ce qui touche le corps de Christ et qui peut compromettre la foi du plus grand nombre de personnes. Du point de vue de l'actualité, tout dernièrement, il y a eu, pour moi, j'appelle ça un grand scandale sur le ministère d'un père pour certains, pour nous, d'un mentor pour d'autres, et pour un bien-aimé dans le corps de Christ que nous avons connu il y a de cela quelques temps en arrière, qui n'est plus malheureusement de ce monde. Paix à son âme. Vous savez, il est souvent triste de parler d'une personne après sa mort. Il est souvent triste de citer le nom de quelqu'un dans nos propos, parfois des propos méchants, des propos vraiment injurieux et après sa mort. Parce que dans nos traditions africaines et autres, nous respectons la mémoire du mort. Nous respectons la mémoire de celui qui est parti. Et pourquoi je reviens sur ça aujourd'hui? Parce que comme vous, nous avons tous nos portables, nous avons tous des forfaits, nous nous connectons et nous suivons l'actualité. Il y a des sujets qui, par sagesse, tu ne veux pas t'élever et donner ton point de vue sans consulter la voix de Dieu. Si je parle ici de l'actualité sur le prophète Tibi Joshua. L'actualité sur le prophète Tibi Joshua. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? Actualité sur le prophète Tibi Joshua. Je vous demande de faire une chose. Aidez-moi, descendez au bas de votre écran. Aidez-moi à partager ce live, touchant le plus grand nombre de personnes. Parce que je vois déjà plusieurs personnes connectées ici, dépassant des milliers de personnes. Même si la page a été restreinte à un nombre de personnes, nous pouvons tous le faire ensemble. Nous pouvons tous le faire ensemble. Voilà. Donc, tout dernièrement, il y a eu un documentaire qui a été réalisé par une grande chaîne américaine, BBC, dans laquelle il y a des personnes vers qui cette chaîne avait recueilli des témoignages, parmi lesquels les fils même, les collaborateurs du feu prophète Tibi Joshua, qui est mon mentor, qui est un père pour moi. Donc ces personnes-là sont sorties sur cette chaîne
et sont allés témoigner, sont allés raconter beaucoup de choses. Prophète Ibn Joshua, c'est un violeur, prophète Ibn Joshua, voilà. Il s'amusait avec les femmes dans son église, avec les femmes mariées. Il commettait voilà, des actes atroces, la fornication et autres. Donc, voilà, je n'ai rien à vous apprendre sur le sujet. Voilà, ces personnes sont sorties et chacun est venu donner sa version des faits. Aujourd'hui, il y a un témoignage bien-aimé qui fait couler d'encre dans le corps de Christ. C'est sur la véracité du ministère prophétique du prophète Ibn Joshua. Vous savez, à cause de ces choses, aujourd'hui, le doute commence à s'installer dans le cœur de beaucoup des enfants de Dieu, dans le cœur de ceux qui sont connectés aux prophètes. Il y a beaucoup de prophètes qui sont utilisés dans les nations, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Congo, Afrique du Sud, et partout dans le monde entier, en France et autres tout. Beaucoup de prophètes sont utilisés par Dieu. Mais avec ce genre de témoignages, il y a un esprit de scepticisme, il y a un esprit de doute et de crainte qui commence à s'installer dans la vie des enfants de Dieu. Déjà, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Le ministère prophétique a toujours été victime de ces choses. Le ministère prophétique a été toujours victime de ces choses. On prend le cas du prophète Élie. Il déclare que Dieu va envoyer le prophète Élie et va dire, voilà, tu iras prophétiser contre le roi d'Israël, contre sa maison, afin qu'il se détourne des dieux Baal et autres tout. Et la Bible déclare que la femme du roi Akab, appelée Jézabel, va lancer un mandat d'arrêt contre le prophète Élie. Ce qui va faire en sorte que le prophète Élie, dans la frayeur, va fuir. Donc, il va être victime de la persécution. Là, on vit avec tous les prophètes de Élie jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, même la Bible déclare dans le livre de Matthieu, on sera demandé à cette génération le sang de mes prophètes, depuis le temps d'Abel jusqu'à Zacharie qui fut tué entre l'autel et le temple. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique a toujours été un ministère de persécution. Le ministère prophétique a été un ministère de turbulences. Voilà, même dans la Bible. Et Jésus, par le Saint-Esprit, dans le livre d'Actes chapitre 2, annonce ceci en disant, « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » En fait, c'est pour situer, en fait, dans le temps, le ministère où Dieu va plus se manifester, le ministère que Dieu va plus utiliser. Donc, le ministère prophétique. Donc, c'est tout à fait déjà normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions observer toutes ces attaques sur le ministère prophétique. Je ne vais pas, parce qu'il est, il est 17h, il y a des gens qui cherchent à rentrer chez elles, il y a des personnes voilà, qui cherchent, qui ne sont pas connectées. Je vais revenir ce soir, lorsqu'il sera par la grâce de Dieu. Rappelez-moi juste l'heure du match. Le match de ce soir termine à quelle heure? Parce que j'aimerais vous laisser quand même suivre le match. Le match de ce soir termine à quelle heure? Parce que j'aimerais le faire dans un cadre posé, j'aimerais édifier le plus grand nombre de personnes. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc face à ce sujet qui fait couler donc sur le ministère de prophète Ibn Joshua, un ministère qui m'a béni et autres, tout, avec des affirmations de certaines personnes et autres. Donc, ça m'a amené, moi, à me taire sur le sujet. À me taire pourquoi? Parce que vous savez, vous ne pouvez pas marcher avec un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec un prophète de Dieu. Est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs, partager, prophète Marcus, dans tous vos groupes et autres? Vous ne pouvez pas marcher avec un homme de Dieu si vous n'avez pas la révélation de Dieu pour cet homme. La Bible déclare au livre de Jean chapitre 6, vous lirez à partir du verset 61 jusqu'à 70, « Nul ne vient à moi, voilà, nul ne vient à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne vient à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Vous ne pouvez pas marcher à côté des hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher à côté des grands serviteurs de Dieu si cela ne vient par le Père. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, les persécutions que ces personnes-là traversent, ça va vous décourager, vous allez fuir, vous allez rétrograder.
vous allez peut-être aimer aller dans les églises, ok, là où on ne prêche que la parole, tranquillement, parce que, ok, vous les prophètes, vous êtes persécutés, vous êtes toujours l'objet des scandales et autres, toutes ces choses. Donc, bien aimé dans le Seigneur, moi, le prophète est Tibi Joshua, qui est mon mentor. Moi, je connais cet homme-là d'abord par révélation. Donc, je ne connais pas cet homme par information. Parce qu'il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur qui se donnent une idée de vous juste par les informations qu'elles collectionnent de gauche à droite. Quelqu'un se lève comme ça un bon matin. Oh, tel là, c'est un mauvais. Tel là, il est ceci. Tel, il est cela. La personne prend ces informations-là et voilà, se donne une image de toi. Même si parfois, au fond, tu devais même être la personne qui devait être une source de bénédiction pour elle. La personne commence à t'haïr comme ça. Ni vu, ni connu. Et moi, je n'ai pas connu le prophète Tibi Joshua par information et autres. J'ai connu le prophète Tibi Joshua par révélation divine. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est cette révélation divine avec le prophète Tibi Joshua qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Bien qu'étant contesté et autre, mais c'est cette connexion-là qui a fait et qui a déclenché des grandes choses. La ro faradi shadavai, la blaïga. Ok, dit Sylvana, il faut rester. J'ai un message pour toi, il faut rester dans le live, il ne faut pas partir. Donc, j'ai prié et l'Esprit de Dieu m'a donné beaucoup de révélations et autres, tout. Mes révélations ne seront pas juste fondées sur des simples analyses, pourquoi ces personnes ont attendu la mort du prophète pour sortir et parler et autres, tout. Mais ces révélations seront fondées sur la parole de Dieu. Et je vais aiguiser le corps de Christ sur la manifestation du ministère prophétique. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont dans une voiture VIP, il y a des hommes de Dieu qui sont dans leur bureau, qui parlent de la persécution. Parfois, ça me fait rire. Frère, quelqu'un qui n'a jamais connu la persécution ne peut pas te parler de la persécution. Il t'informe juste sur la persécution. Il n'a pas vécu, ne connaît rien de la persécution. Bien-aimé, celui qui parle en face de toi, c'est celui qui a connu ce qu'on appelle la persécution. Et si je te parle de la persécution, d'un ministère, bien-aimé, et l'humilité quand même d'ouvrir ton esprit et d'écouter ce que je t'ai dit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, les persécutions, nous, on en vit tous les jours. On a connu ce qu'on appelle la persécution. À cause de Dieu, à cause du ministère prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai failli perdre ma vie. J'ai failli perdre tout ce que j'avais de plus précieux. Donc, ce soir, je viendrai vous dire exactement. Le prophète Tibi Joshua est-il un faux prophète ou un vrai prophète? Et pourquoi continue-t-il à être persécuté même après sa mort? Quelqu'un qui est déjà mort, quelqu'un qui est parti. Mais pourquoi on le persécute toujours? Pourquoi il y a cet acharnement sur lui? Et bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire l'enjeu. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent ça pour un jeu, mais dans le jeu, il y a un enjeu. Je vais vous dire l'enjeu derrière ça. Je vais vous dire l'impact sur le corps de Christ derrière ça. Et beaucoup de personnes vont comprendre. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous édifier. Lorsque je me lançais pour servir le Seigneur, la grâce c'est que par une révélation divine, le Seigneur m'avait déjà montré et m'avait déjà dit ce à quoi je devais être confronté. Donc, les persécutions que je devais vivre. Dieu m'avait déjà préparé. Ce à quoi je devais vivre. C'est pourquoi vous voyez, je ne prendrai jamais mon portable pour venir me plaindre. Ici, je veux venir me plaindre ici, ça va, ici. Facebook va m'apporter quoi? Facebook ne va rien m'apporter. Donc, le Seigneur m'avait déjà préparé. Il m'a dit, voilà là où tu te lances là. Le ministère, c'est comme ça. Le ministère, c'est comme ça. Donc, le ministère, peu importe ton père spirituel, peu importe ton maître, pour des meilleures expériences avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas passer par l'école de Dieu. Et l'école de Dieu, c'est l'école du brisement total. Et Dieu te brise, c'est dans la douleur. Bien-aimé, Dieu te brise, c'est dans la douleur. On fait fondre le fer, c'est dans le feu. On fait fondre le fer dans le feu. On fait fondre le fer dans le feu. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu permettra qu'il y ait un feu toujours autour de toi. Dieu permettra qu'il y ait des fortes persécutions autour de toi. Des choses que tu ne vas même pas comprendre. Mais c'est ça qui, au fond, t'est bâti. Au fond, ça fait sortir la meilleure version. Ça fait sortir l'originalité de ta véritable personne. Et lorsque tu sors de là, waouh, Dieu se manifeste puissamment avec toi. Tu es déjà une autre personne. Et Dieu réalise des grandes choses avec
toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'avait déjà préparé. Dieu m'avait montré. Jusqu'aux prisons, aux emprisonnements, Dieu m'avait montré. Toutes ces choses, de manière textuelle. Je me rappelle de cela 2 ans, avant de connaître ce que j'ai connu. Voilà, j'étais là une nuit et puis j'ai appelé mes collaborateurs et autres, tout. Je leur ai dit ceci. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur s'est révélé à moi et le Seigneur m'a dit ceci, que demain, je serai arrêté à telle heure, comme si, comme cela, comme si. Mais disons, oh, prophète, mais toi tu dis ça. J'ai dit non, Dieu m'a déjà dit. Je serai arrêté, mais vous derrière, voici l'attitude que vous devez avoir, voici comment vous devez vous comporter et autres, toutes ces choses-là. Et ils prenaient ça pour l'amusement. Et le lendemain matin, bien aimé, on m'annonce que bah, il y a un mandat d'arrêt sur moi. Moi-même, je suis allé là-bas devant les autorités. J'ai dit, ah, moi je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un brigand. Il y a quel mandat d'arrêt sur moi et autres tout. Non, le Seigneur m'avait déjà préparé. C'est pourquoi malgré tout ce que j'ai traversé, j'ai toujours un mental fort. J'ai un mental d'acier. Je ne me suis pas empêché de prendre mon avion précipitamment et d'aller dans un autre pays prêcher l'évangile. Je ne me suis pas précipité à dire, ok, bon, je ne sers plus Dieu, j'abandonne ces choses. Je suis resté. Celui qui vous parle, c'est celui qui a connu la persécution ministérielle. Ma persécution n'a pas été la persécution d'un mari de nuit, d'une femme de nuit, d'un homme. Ça a été la persécution de tout un pays. Tout un pays s'est levé. Et bien aimé, si tu n'as pas Dieu, tu vas tomber et tu vas mourir. Et aujourd'hui, qu'on persécute un homme de Dieu, aujourd'hui, lorsqu'il y a un acharnement sur un homme de Dieu, aujourd'hui, je ne juge plus comme les gens jugent. Aujourd'hui, moi, à 90%, je me pencherai plus du côté des accusés, parce que moi-même, j'ai vécu des accusations. Vous savez, il est plus facile d'accuser quelqu'un quand tu n'as jamais été accusé. Il est plus facile de juger quelqu'un quand tu n'as jamais été jugé. Il est plus facile, bien aimé, de calomnier quelqu'un quand tu n'as jamais été calomnié. Mais le jour que tu vas vivre ces choses, tu seras l'attitude qu'il faut adapter. Vous savez, quand j'ai vécu beaucoup de persécutions, la première attitude, c'est que j'ai commencé à respecter beaucoup des hommes de Dieu persécutés. Oui. Voyez, lorsque vous voyez les autres hommes de Dieu persécutés, vous êtes là, mais tous les jours, lui là, son nom, toujours dans les scandales, qu'est-ce qui ne va pas, toujours, on parle de lui et autres, comme ci, comme ça. Quand c'est votre tour, c'est là où tu réalises que, ah, vraiment, vous savez, la grandeur même dans le ministère, hein, ce n'est pas d'abord par le nombre d'années. Non, ce n'est pas par le nombre d'années. La grandeur dans le ministère, là, c'est par le degré de persécution de tout un chacun. Quand tu regardes un homme de Dieu qui était persécuté plus que toi, mais malgré ça, il est toujours debout avec le nom de Jésus, c'est ce genre de personnes-là qu'il faut respecter. Quand tu vois quelqu'un, même s'il est plus petit que toi, il a vécu. Moi, je vois, nous sommes dans une génération un peu bizarre. Vous passez, je n'ai pas la barbe, ceci, cela. Moi, je vois des frétins là, des frétins prophètes qui s'élèvent là, parfois qui veulent jouer. D'autres font des posts, ils écrivent sur prophète Emmanuel Nzoma, de gauche à droite, ceci, cela. Mais je dis, regarde-moi des gens comme ça. Vous n'avez jamais réalisé même quelque chose dans le pays, on ne vous connaît pas, ceci, cela. Vous, pour avoir le nom, vous êtes obligé d'insulter les gens qui sont loin de vous spirituellement et autres. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pouvez supporter ce que lui qui parle avec vous a supporté? Donc, parfois, on tombe sur ce genre de cas et puis, voilà, on s'est dit, nous sommes vraiment dans une génération, il y a un grand travail à faire. Donc, bien aimé, la persécution, nous avons traversé la persécution et nous connaissons ce qu'on appelle la persécution. Et c'est ce qui fait de nous Shalabaikas. Je vois une personne connectée ici au nom de Eve, Eve Anbach, toi aussi tu restes. Il y a déjà Nzé Sylvana et il y a Eve. Parce que quand je vois les noms, en fait, j'ai comme des lumières qui m'apparaissent. Et là, je comprends que l'Esprit de Dieu veut me donner un message prophétique. Un message prophétique pour ces personnes. Un message prophétique pour ces personnes. Donc, bien-aimés, vous voyez, avec tout ce qu'on a traversé, toutes ces persécutions et autres, tout, ça nous a amené, bien-aimés, le Seigneur, à bâtir une autre mentalité en nous, de sorte que lorsqu'on voit quelqu'un accusé, lorsqu'on voit quelqu'un être lapidé, on doit se mettre en auto-défenseur. Ah oui, oui, on doit se mettre en auto-défenseur. On doit d'abord défendre les intérêts du royaume de Dieu. Et à cause de ce documentaire de BBC, je dois vous dire que le royaume de Dieu est je veux dire quoi, le royaume de Dieu est attaqué. L'église est attaquée, les prophètes sont attaqués.
Vous êtes ici, vous êtes prophète. Vous pouvez identifier un prophète. Mais écoutez-moi bien. Le monde des ténèbres est en train de tout mettre en œuvre pour écraser le ministère prophétique. Écraser le ministère prophétique. Bien-aimé, il peut y avoir des faux, comme vous dites, oh tel, vous êtes faux. Mais s'il y a le faux, c'est qu'il y a la présence du vrai. Parce que le faux, c'est la contrefaçon. Le faux existe parce que le vrai existait. Le faux existe parce qu'il veut se conformer au vrai. Mais il n'y arrive pas. C'est ce qui est faux. Donc s'il y a des faux prophètes, c'est que quelque part, il en a des vrais prophètes. Mais regardez tout ce que le diable est en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, tu prophétises pour quelqu'un, va revenir à la parole. Tu prophétises pour quelqu'un, revenez à la parole, revenez à la parole, revenez à la parole. Et je vous dis, c'est grave, hein. Dans les révélations que je vais vous donner ce soir, je vais vous dire les personnes qui sont derrière l'histoire du prophète Tibi Joshua, quelqu'un qui est déjà décédé, les personnes qui travaillent toujours derrière ça. Vous allez comprendre que ce sont des pasteurs. Oui. Ce sont des pasteurs. Aujourd'hui, il y a comme un conflit entre pasteurs et prophètes. Il y a comme un conflit entre ceux qui prêchent simplement la parole et ceux-là qui ont la capacité de manifester des dons spirituels, des voix, des visions et autres. Tout. C'est comme s'il y a un conflit. Non, nous sommes un corps, nous travaillons pour la gloire du corps de Christ. Nous sommes un corps, mais d'où vient ce conflit? Aujourd'hui, tu t'élèves, tu commences à prophétiser, non, tu es un charlatan, c'est faux. Même vous avez été victime de quelque chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, lorsque vous prophétisez, en fait, on doit tout faire pour prouver que ce que vous êtes en train de faire, c'est du mensonge. On doit tout faire pour prouver que ce que vous êtes en train de faire, c'est faux. Je ne sais pas, en fait, d'où provient cette persécution du ministère prophétique. Ou c'est parce que dans l'onduleur des dieux, c'est le dernier ministère qui va révéler la puissance de Jésus-Christ que le diable est en train d'attaquer. J'ai un témoignage, homme de Dieu, venant de votre prophétie. Voilà, vous voyez, il y a des personnes qui sont là qui témoignent. Elles ont des témoignages venant des prophéties que j'ai relâchées, des prophéties que j'ai eu à faire. Non, je ne comprends pas, prophète Marcus, d'où provient, bien-aimé, la persécution sur le ministère prophétique. D'où provient? On fait tout, on est en train de tout faire, on organise tout. À faire croire aux gens que les prophètes sont des menteurs, vous ne devez plus les suivre et autres, toutes ces choses. Regardez, c'est que j'étais victime au Gabon. J'ai prophétisé pour beaucoup de choses. J'ai prophétisé pour des vies. J'ai atteint un niveau de persécution que je ne croyais jamais que moi, mon nom devait être traîné dans ces choses. Quand vous prophétisez pour quelqu'un, les gens vont tout faire. Hein. Ils seront même capables d'aller chercher si la prophétie que vous avez donnée a un rapport sur Facebook, a un rapport sur telle chose, sur telle chose, sur telle chose. Un jour, un homme de Dieu va me voir, prophète, je prophétisais pour quelqu'un. Mais ce que je prophétisais, les informations là se trouvent sur Internet, se trouvent sur Facebook et autres tout. Je lui ai dit ceci. Tu reconnais avoir menti sur la prophétie? Non. Mais est-ce que c'est un crime que Dieu t'ait donné des informations d'une personne qui se retrouvait déjà sur Internet? C'est-à-dire que même quand vous voulez attaquer le ministère, mais soyez un peu intelligent. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a prophétisé, il dit, ok, je vois que tu t'appelles tel, tu travailles dans tel endroit, tu es né en telle date, ceci, cela, et que vous, les persécuteurs, vous allez chercher à faire un rapport avec soit les informations, comme vous-même vous connaissez, qui sont sur Facebook et autres tout, vous allez faire le rapport. Mais même si les informations sont pareilles aux informations que l'homme de Dieu a données dans la prophétie, est-ce que c'est ce qui fait de lui un faux homme de Dieu? Qu'est-ce qui vous prouve que les informations qu'il a données ne viennent pas de Dieu? Qu'est-ce qui vous prouve encore, deuxièmement, qu'il est allé sur un compte Facebook pour aller regarder des informations? Donc, vous voyez, donc les gens sont en train de tout faire. Ils veulent tout orchestrer pour vous démontrer que ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est du mensonge. Prophète, si nous ne défendons pas le ministère prophétique, c'est fini, on va mourir. Il y a un témoignage ici, permettez-moi de lire. Sans me connaître, vous avez prophétisé pour un truc très important pour moi, une réponse que j'attendais. Voilà. Sans me connaître, voilà. Vous allez voir les commentaires vont être épinglés ici. Sans me connaître, vous avez prophétisé pour un truc pour moi, sans me connaître et autre tout. Donc, prophète, vous qui êtes là, fortifiez-vous. Quand vous voyez, on est en train de persécuter les papas, nos papas, comme les Tibi Joshua ici, c'est pas pour les persécuter eux, mais c'est pour nous toucher, nous. Nous qui gardons ce manteau-là, nous qui prenons le relais. Lui, c'est sa génération est passée. Mais nous sommes déjà la nouvelle génération et autres tout. Donc, l'ennemi est en train de mettre toutes ces stratégies-là en place pour détourner notre attention de ce que Dieu veut faire avec nous dans le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est un ministère réel. C'est un ministère qui est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur. Narazavi, Robalekaye, Shadabai, Nerovai, Nebrahadevai. Et vous avez vu, exemple, au niveau du Gabon, 80%, mon forfait, 80%.
Je vais faire signe. Ok, prophète Marcus, prends-moi le forfait automatiquement sur mon nouveau numéro, s'il te plaît. Prends-moi le forfait automatiquement, vu la distance de la maison. Donc, je fais le live voilà, depuis ma véranda. Donc, je ne suis pas connecté au Wi-Fi, je suis connecté aux données mobiles. Donc, essaye de me prendre le forfait par données mobiles. Donc, sur mon nouveau numéro, et je vous demande de partager le live. Il y a des personnes qui disent ici, ok, parce que tu dis ça nous intéresse beaucoup, ça m'intéresse. Oui, bien aimé, c'est vrai, il y a du faux. Dans les documentaires et autres, c'est vrai. Il se peut qu'il y a du faux et autres, mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a du faux. Tout le monde est dans le faux et autres. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui est réel. C'est vrai, il y a des prophètes qui s'amusent. Moi-même, je connais, je suis homme de Dieu. Il y a des prophètes qui s'amusent à mentir et autres tout. Vous voyez, il s'est passé quelque chose tout récemment. Il y a deux jeunes prophètes qui sont allés prophétiser pour quelqu'un là-bas. Donc, en prophétisant, ça s'est mal passé là-bas. Donc, le monsieur pour qui ils ont prophétisé en disant que lui, il est sorcier, ce monsieur-là va aller leur porter plainte. Donc, en étant au commissariat et autres tout, on va dire, bon, vous êtes les fils spirituels de qui? Qui vous a donné le mandat de prophétiser? Donc, il paraît qu'ils avaient donné une fausse prophétie, mais qui vous a donné le mandat de prophétiser? Donc, ils partent là-bas, ils disent, nous sommes les fils spirituels de tel père au niveau du Gabon dont j'aimerais être à l'ONU. Donc, quand le père là se rapproche de ses fils-là, donc le père pose la question, mais qui vous a demandé de prophétiser, avait menti sur la prophétie? Les deux jeunes-là partent mentir en disant, non, c'est prophète Emmanuel Nzoma, nous travaillons avec lui, ceci, cela. J'ai dit, mais vraiment, le monde est méchant. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour attaquer en fait le ministère prophétique. C'est pour détruire les pionniers, ceux-là qui portent le mouvement prophétique. Qui portent le mouvement prophétique. Et moi qui vous parle, j'ai été victime des contradictions et autres. La contradiction humaine, et je n'en veux pas toutes les personnes qui contredisent mon ministère prophétique et toutes ces choses. Mais même quand vous accusez quelqu'un, même quand vous accusez un prophète, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des signes qui accompagnent son appel. Il y a des signes, même si vous êtes incrédule, il y a des signes, il y a des choses que quand vous voyez, vous pouvez voir. Ok, l'homme de Dieu là, il trafique les prophéties. L'homme de Dieu là, c'est un menteur. Il paye une équipe pour aller chercher des informations des gens dans les quartiers gauche à droite. Je vais vous poser une question simple. On peut avoir des informations sur le déraillement d'un train. J'aimerais que vous me répondiez. On peut avoir des informations sur un coup de libération, comme on appelle ici au Gabon, pour ne pas citer peut-être les propos qui vont frustrer certaines personnes. On peut avoir des informations sur, bien-aimé de le Seigneur, un coup de libération qu'on appelle coup d'État. On peut avoir des informations sur ça. On peut arranger ça. On peut planifier ça. On peut avoir des informations sur un naufrage. On peut avoir les informations sur la déstabilisation d'un pouvoir. On peut avoir ces informations-là. Si ce n'est pas de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui révèle, qui parle, si ce n'est pas Dieu qui montre ces choses, qui parle, depuis 2021, le prophète Emmanuel, il sort, comme d'autres prophètes, j'ai aussi vu des prophètes, il sort, il annonce, ok, en 2023, il donne le nom de la personne et autre, il dit, telle personne, il y aura telle chose. Et vous allez voir des gens, ils sont bien conscients que ce qu'il a dit là, c'est vrai, ça s'est réalisé. Mais ils vont s'arranger à ramasser des choses de gauche à droite, des choses arrangées de gauche. Vous dites, ok, oh bon, même s'il a dit ça, regardez là. Vous ne voyez pas qu'il y a un rapport comme ça. Il est en train de mentir, il est en train de vous amadouer, ceci, cela. Le diable est en train de tout faire. Et parmi les stratégies que le diable utilise aujourd'hui pour vous faire douter à la voix prophétique, moi je ne comprends pas dans ces temps comment les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, La Bible déclare, les chrétiens de Béret sondaient les Écritures. Les fils d'Isaacar analysaient les prophéties, savaient lire les prophéties dans le temps. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, ok, prophète, tu dis que c'est fait, 0.76, sur le 0.76, 33, et c'est que tu connais à la fin. Voilà, tu payes le forfait automatiquement. Je n'ai pas encore reçu. D'accord. Moi, je ne comprends pas. Comment les chrétiens, vous qui êtes censés marcher, vous qui êtes censés être conduits par l'Esprit de Dieu, vous prêtez encore même vos cerveaux aux païens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu,
des gens qui passent leur temps à fumer du chanvre sur, même en plein live, sur Facebook. Et alors, ce genre de personnes-là que vous suivez, c'est ça, là. Ce sont ce genre de personnes-là que vous suivez. Donc, ce sont ces personnes-là, en fait, qui ont le baromètre pour reconnaître qui sont les vrais ou qui sont les faux prophètes. Ça, c'est pas possible. Nous sommes dans quel monde? Ces personnes-là font des analyses sur la base de leur méchanceté. Et on vous amadoue. C'est le diable, en fait. Le diable, il met... Non, je ne comprends pas. Excusez-moi. Ah, faut pas que je me fasse mal. Donc, le diable met toutes les stratégies nécessaires. Le diable met toutes les stratégies en place pour détourner l'attention des enfants de Dieu face au ministère prophétique. Les prophètes sont fous. Les prophètes sont faux. Les prophètes sont faux. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est que le prophète Tibi Joshua faisait là. C'est la magie. Et quelqu'un est déjà décédé comme ça. Là. Vous sortez pour faire les documentaires. Ah non, c'est la magie. Ceci, c'est pas réel. C'est pas Dieu. Ceci, c'est là. Mais attends, chrétien. Donc, c'est les païens déjà qui vont vous dire comment servir Dieu. Vous ne voyez pas que c'est une œuvre diabolique qui est orchestrée pour détourner votre attention vers Dieu afin de faire confiance aux sciences. Mais quand on parle de l'antichrist dans les temps de la fin, vous pensez que c'est quoi? C'est de vous amener à être contre Christ. C'est de vous amener à être antichrist. C'est de vous amener à détester les choses de Christ. Et ce découragement commence comment? Non, moi les choses des églises, là, je ne suis plus dedans. Moi je n'ai plus confiance aux choses des églises. Tu n'as plus confiance aux choses des églises. Toi-même tu es un membre fondateur d'une église. Toi-même tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as plus confiance aux choses des églises. Tu n'as plus confiance aux choses des églises. Tu n'as plus confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que tu es tombé sur le live des païens, des gens qui ne prient pas Dieu, qui disent, oh, cela, ceci, cela, comme ça, oh, ceci, cela, comme ça. Je vois même des chrétiens, oh, prophète, à chaque fois vous allez voir des personnes comme ça. Oh, prophète, tu as mis une grossesse miraculeuse dans un ventre, ceci, cela. Mais attends, bien-aimé dans le ciel, grossesse miraculeuse, la vie des païens ne compte pas. Excusez-moi. Je dois vous dire, la vie des païens ne compte pas. Ils vont dire, oh, vous choquez nos mœurs et autres. Oui, on choque vos mœurs. Parce que vous n'êtes pas chrétien comme nous. Vous n'êtes pas chrétien, vous ne comprenez pas les choses comme nous. Vous n'avez pas la foi comme nous. Ce que nous voyons dans le spirituel, vous ne voyez pas. Vous n'allez pas juger notre travail en disant que nous sommes des faux ou que nous sommes faux prophètes parce qu'on a, selon vous, inoculé une grossesse de 3 mois dans un ventre. Est-ce que vous connaissez le contexte dans lequel les gens travaillent? Vous connaissez ce qu'on appelle le langage de la foi? Vous connaissez le langage spirituel? Et je vois des chrétiens prêter leurs oreilles à ces païens-là. Je vois des chrétiens sont là pour écouter, ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, bien-aimé dans le Seigneur, que ces personnes ne détournent pas votre attention. Souvenez-vous de l'histoire d'Élisée le prophète et du soldat sur qui le roi s'appuyait. Élisée le prophète et le soldat sur qui le roi s'appuyait. La Bible déclare qu'il va avoir une famine à Samarie. Et le roi va aller rencontrer l'homme de Dieu, Élisée, pour dire, ok, tu dois mettre fin à cette famine. L'homme de Dieu va prophétiser, il va dire, demain, la famine va disparaître dans le pays-là. Un officier va s'élever pour dire, même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel-là, pareille chose n'arrivera. Pareille chose arriverait-elle? Même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Donc, il avait douté à la voix de Dieu, il avait douté au ministère prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible déclare que l'homme de Dieu va ouvrir sa bouche, il va dire ceci, tu verras, mais tu n'en mangeras pas, tu mourras. Et la Bible déclare le lendemain matin, le peuple va s'élever pour l'écraser sur la porte. Donc, vous devez être un peuple capable d'écraser ces idéologies païennes-là, d'écraser ces mentalités-là. Il y a des personnes comme ça, à l'instar de l'officier, qui s'élèvent, bien-aimés dans le Seigneur, pour douter à la voix du ministère prophétique. Qui s'élèvent pour douter à la voix de Dieu. Quelle doit être votre attitude? Est-ce que c'est de lapider encore les personnes que Dieu utilise devant vous? Le seul slogan qu'ils utilisent, pendant que vous êtes pauvres, ils sont en train de s'enrichir. Ils jouent avec votre mental. Ils jouent avec votre mentalité. Ce n'est pas la première fois. Hein? Les hommes de Dieu toujours, le peuple a toujours été attaqué par ces personnes-là qui veulent détourner leur attention. Donc l'homme de Dieu a dit pareil, il était devant la porte, il a dit ça ne viendra pas. C'est faux, ça c'est du mensonge et autre. La chose là, c'est que l'homme de Dieu a prophétisé. Ça ne viendra pas. La Bible déclare, l'homme de Dieu a prophétisé. Et le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, où nous allons écraser leur mentalité. Où ils auront en face d'eux, Maraba Sigaya. Ils auront en face d'eux,
un peuple rempli de foi, rempli de maturité, de sagesse. Je suis ici, je vois une personne au nom de Ève. Je vois Ève. Alors Ève, si tu es là, avant que je ne commence à relâcher cette prophétie, donnez-moi l'heure de la fin du match. Comme ça, après, je vais revenir sur le live. Vous partagez les révélations que j'ai eues sur le prophète TB Joshua. Donnez-moi juste l'heure de la fin du match et autres. Je vais donner une révélation à une personne que je vois ici, Ève Anbach. Alors Ève, regarde ce que je vois sur toi présentement, où je suis ici. Je ne sais pas où tu es, mais si tu es là, si tu es là, essaye de me faire signe. Je vais demander à mes administrateurs d'épingler la réponse de Ève. Voilà, si tu es là, fais-moi signe rapidement. Fais-moi signe rapidement. Je suis en train de croire que tu es confronté à une situation. Et la situation à laquelle tu es confronté, c'est que je suis en train de voir, pendant que je parle avec toi, voilà, est-ce que nous pouvons partager au maximum? Est-ce que nous pouvons partager? Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Voilà, on me fait signe que la personne est là. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager au maximum pendant que vous êtes en train de le faire. Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, aidez-moi à partager. Voilà, on me fait signe qu'elle est là. Je vais épingler son commentaire. Je vais épingler le commentaire. Épingler ce commentaire. Super. Voilà. Ève Anbach. Je vois que tu es confronté à un problème. Le problème, c'est lequel? C'est avec ta maman. Je vois dans mon esprit comment vous êtes à couteau tiré. Ça ne va pas. Vous êtes à couteau tiré parce que tu as eu à faire un mauvais rêve sur ta maman avec sa sœur qui est l'une de tes tantes. Et lorsque tu t'es réveillé, tu as fait ton analyse que c'est ma maman qui me persécute. Donc les combats que j'ai, ça provient de ma maman et de sa sœur, donc et de la tante. Pourquoi? Au début de cette année, regarde, je vois que tu as lancé une activité en place, une activité lucrative. Dans l'activité, je suis en train de te voir vendre comme des djennabas. Je te vois vendre des djennabas. Tu es en train de vendre des vêtements. On me fait signe que la personne confirme. Regarde, je suis ici, je ne sais pas là où elle est, où elle me suit. Mais là où je suis, je relâche, bien-aimé dans le Seigneur, une prophétie et la personne est en train de confirmer. Peut-être la personne pourra dire mieux en commentaire, est-ce qu'on peut épingler? Elle dit vérité. Voilà, épingler ce commentaire. Elle dit vérité. Donc, je suis là et je vois dans mon esprit, elle est confrontée à un problème. Un problème qui fait en sorte même que le courant entre elle et sa maman ne passe pas. Donc, sa véritable maman et la sœur de sa maman, ça ne passe pas. Pourquoi? Au point où même j'ai vu comment il y avait comme séparation, les personnes ne se parlaient plus. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à faire de mauvaises révélations et l'analyse qu'elle a eu à faire dans sa tête, c'est que c'est ma mère qui me bloque avec sa sœur. La personne confirme le message. Pourquoi? Elle a démarré une activité. Et l'activité qu'elle a démarrée, je suis en train de voir, c'est dans la vente des djennabas. On est en train de vendre les djennabas, les vêtements des Ouest-Africains, là, qu'on porte là, les vêtements Ouest-Africains. D'accord, j'arrive. Les vêtements Ouest-Africains qu'on porte. Demandez à l'évangile soit de me payer le forfait sur mon nouveau numéro. Forfait donné mobile. Par telle monnaie. S'il vous plaît. Voilà. Donc, je suis en train de voir les vêtements qu'on porte là. Tu as cette activité-là et tu es en train de mettre ça en vente. Deuxièmement, à part cette activité, je vois dans mon esprit, tu as créé une entreprise. L'entreprise que tu as créée, elle est secrète. Tu n'as encore parlé de ça à personne. L'entreprise que tu as créée, je suis en train de voir dans mon esprit, c'est dans la communication digitale, tout ce qui est lié au niveau de l'informatique. Ça, c'est un projet que tu aimerais mettre. Tu as déjà écrit, tout est déjà fait. Tu aimerais mettre en place cette année. La communication digitale, l'informatique. Parce que je suis en train de voir à côté de toi
On me montre des ordinateurs. On me montre que tu es en train de les appuyer et autres. Maintenant, le prophète, lui, il vient. Regardez cette sœur. Cette sœur est dans le soupçon en pensant que sa propre mère serait contre elle. Et la sœur de sa mère serait contre elle. Mais le prophète, lui, quand il vient pour faire sortir cette sœur de la situation dans laquelle elle se trouve. Et qu'est-ce que je vois en tant que prophète pendant que je parle avec elle? Je vois que le problème n'est ni sa mère, ni la sœur de sa mère. Mais le problème, c'est quelqu'un qui est caché. Quelqu'un qui est caché. Je vois, tu as rencontré un homme. Je vois vers la fin d'année, tu as eu des problèmes avec cet homme. Et pendant que je parle, je suis en train de voir que dans ton téléphone portable, merci mon fils sacrificateur, dans ton téléphone portable, je vois comme sur l'écran de ton portable, je ne suis pas avec toi, je vois il y a une photo. Et la photo, je suis en train de voir un jeune homme. Le jeune homme là, il porte des djennabas. Le jeune homme, il a des djennabas. Si c'est faux, n'est pas honte, madame. Tu peux confirmer. Si tu dis c'est faux, je ne connais pas ça. Le jeune homme a des djennabas. C'est-à-dire, il a mis ce djennabas là. Et il a des cheveux comme des dreads sur la tête. Il est noir. Il a des cheveux, des dreads sur la tête. Il est petit corps comme moi, comme ça là. Il est mince, petit corps. Il a des dreads sur la tête. Je vois son nom, mais par question de discrétion, je ne m'aurais pas donné son nom ici. Et je suis en train de voir dans mon esprit, tu avais un grand projet de fiançailles avec cette personne-là, jusqu'à aller dans le domaine du mariage. Mais je vois à la fin, ça a échoué. Ça a échoué. Le diable s'est levé pour combattre ce projet. Vous êtes en train de lire tous ici. Elle est en train de confirmer le message. Bon, une personne comme ça, est-ce qu'elle allait écrire ça sur sa page Facebook? Ses problèmes personnels. Est-ce qu'elle allait raconter ça à quelqu'un? Est-ce qu'elle est venue me raconter? Je suis ici, je reçois. Je reçois par quoi? Parce que vous devez comprendre, bien-aimé notre Seigneur, que tout prophète est dirigé par le Saint-Esprit. Je prophétise et je décrète aux 50 personnes qui ont partagé au moins dans 20 groupes. Au moins dans 20 groupes. Je déclare que les yeux de Dieu soient ouverts sur toi. Que les yeux de Dieu... Aïe, 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 aïe. Que les yeux de Dieu soient ouverts sur toi. Et que tu fasses des choses extraordinaires. Le prophète va jusque même dans son écran du portable. Il dit qu'il y a telle chose. La personne en question là, elle est avec un homme. Et précisément, vous avez pris la photo, vous étiez dans mon esprit... comme à la plage. Vous étiez à la plage. Mais à la plage où vous étiez là, vous étiez comme dans une barrière. C'est comme à côté d'une barrière. Je vois une barrière et je vais vous voir prendre la photo. Et je suis en train de voir dans mon esprit. Le problème qui t'a embêté, ça venait de ton petit ami. Je vois que de son côté, il y a une femme, sans le savoir, qui a travaillé pour que ce projet-là soit détruit, pour qu'on attaque ce projet-là. Parce que j'ai vu dans mon esprit que ton jeune fiancé là, il provient d'une famille là où le monde des ténèbres s'est élevé, où le monde des ténèbres s'est élevé pour chercher à le détruire. Mais toi, tu es venu dans sa vie, tu as commencé à prier. Oh, Wenze Sylvana, Wenze Sylvana, mes yeux sont ouverts ce soir. Wenze Sylvana, profitez, je prophétise au nom de Jésus sur les 50 personnes qui sont en train de partager. Partout là où tu es, que la grâce de Dieu soit en partage aussi dans le nom de Jésus et que Dieu fasse et réalise des grandes choses avec toi. La personne confirme, elle dit c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Alors, si Nze Sylvana est là, je demande à mon équipe d'épingler le commentaire. Je peux prendre qui rapidement? Je peux prendre qui rapidement? Frère, je suis là, je suis chez moi. Je n'ai aucun support, je n'ai aucun document. Mais comment Dieu parle d'une manière extraordinaire? Vous pouvez remarquer. Je suis chez moi. Il n'y a aucun support. Il n'y a aucun document. Mais comment Dieu arrive à parler à des vies de manière extraordinaire? Comment Dieu arrive à parler à des vies? Le ministère prophétique est un ministère réel. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il parle toujours de nos jours. Le Dieu que nous servons, il fait des choses extraordinaires. Je n'ai rien. Il n'y a pas un fétiche à côté de moi. Je ne suis qu'ici avec, avec mon berger malinois. Je ne suis qu'ici avec mon berger malinois. Mais Dieu va jusqu'à parler à cette sœur à distance là où elle est. Et vous doutez au ministère prophétique? Voilà, on me dit que Ndje est là. Ndje est là. Ok.
Ma fille, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose que tu n'as jamais expliqué à quelqu'un. Tu n'as jamais parlé de cette chose à une personne. Mais je demande déjà aux personnes de partager, de partager, de partager. Honorez mon onction ce soir. La personne qui a partagé au moins dans 20 groupes, tu me dis ici, prophète, j'ai partagé et je vais relâcher une parole extraordinaire. Nous sommes dans un temps où les gens ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous sommes dans un temps où les gens ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Vous avez besoin d'entendre Dieu. Vous vivez des situations. Vous êtes face aux problèmes. Vous êtes face aux difficultés. Mais si vous tuez les prophètes, vous allez entendre la voix de Dieu comment? Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. Vous avez besoin d'être orienté. Vous avez besoin d'être guidé par les prophètes. Vous avez besoin d'être guidé par la voix prophétique. Est-ce que tu peux encore partager, partager, partager? Je décrète et je prophétise. Les 20 personnes qui ont partagé. Tu as partagé à 20 groupes. Tu dis, prophète, j'ai partagé et j'ai une parole à relâcher. Je suis avec Ndje Sylvana. Alors, Ndje Sylvana, dans mon esprit, j'ai reçu une vision. Et la vision étant posée sur moi, j'ai l'inspiration de te transmettre le contenu de cette vision. J'insiste bien, je sais qu'il y a des prophètes ici, comprenez. La vision étant posée sur moi, comme une dose, j'ai maintenant l'inspiration, dans tous mes sens, à pouvoir te transmettre la vision que j'ai reçue de la part du Seigneur te concerne. Je suis en train de voir, tu es dans une situation très embarrassante. Tu as fait un rêve. Et dans le rêve que tu as eu à faire, tu as fait ce rêve, il était précisément 4h28. J'insiste. Il était 4h28. C'était un vendredi, donc dans la nuit du vendredi à samedi. Tu as fait un rêve que tu étais en train de te battre avec une femme. Et tu as reconnu le visage de cette femme. Tu étais en train de te battre dans ton esprit avec une Togolaise. Togolaise là-bas, Togolaise, béninoise, Togolaise, quelque chose comme ça. Ce que je vois dans mon esprit, les traits qui sont liés à cette race-là. Et je vois pendant que tu étais en train de te battre, tu as vu clairement le visage d'une femme. Et le visage de la femme que tu as vu, c'est ta voisine qui est justement à côté de vous. Tu as vu un visage. Et le visage que tu as vu, c'est ta voisine qui est à côté de vous. Je vois là où tu es, tu as une voisine qui est de cette nationalité-là et qui fait du commerce, qui est justement à côté de vous. Je suis en train de voir, elle est comme en face de votre maison, mais en face de votre maison, il y a comme une descente et je vois la personne se trouver au niveau de la descente. Que ceux qui épinglent les commentaires épinglent maintenant. Si tu ne te reconnais pas, tu dis, ah, prophète, j'ai du mal à me reconnaître et le prophète va te donner plus de précisions. Si tu te reconnais aussi, tu dis oui, je me reconnais, j'ai fait ce songe textuellement, effectivement. Pourquoi le prophète te parle? Parce que tu es en train de vivre un échec sur le plan relationnel, sur le plan marital. Tu devrais normalement, dans mon esprit, te marier en 2023. Fin 2023, tu devais te marier. Mais tout a été annulé. Tout a été annulé. J'insiste et je persiste. Tout a été annulé et tu n'as pas compris comment ça a été annulé. Je vais t'expliquer aujourd'hui. J'attends le retour de la sœur. Est-ce que nous pouvons toujours partager? Waouh! Il y a qui d'autre ici? 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 Je vois ici Mireille Arlette. Waouh, 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 que Dieu te bénisse. Je vois ici Dina Lamelson. Excusez-moi pour les yeux, excusez-moi pour les yeux. Maximum de partage. Je vois ici Géraldine Koumewala. Je vois ici Michel Christian Augrin. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Exemple, Michel Christian Augrin. Quand son nom est passé, le temps qu'on attend le retour de Madame Sylvana, quand son nom est passé, Sylvana, si tu commentes, il faut commenter sur la page Prophète Emmanuel Nzoma. C'est la page sur laquelle, voilà, j'interagis directement. Le Augrin que j'ai vu dans mon esprit à côté de vous une personne. Et la personne était rattachée au niveau de la France. La personne vivait au niveau de la France. Mais la personne a servi dans l'armée au niveau du Gabon, dans les corps habillés. Il a servi au niveau de l'armée,
Mais la personne aujourd'hui est au niveau de la France. Et la personne a un dossier d'argent qui est bloqué. Et pendant que tu t'es connecté, j'ai vu ton nom passer. J'ai vu comment la main du Seigneur, la main puissante de Dieu est en train de descendre. Là où s'est trouvée cette personne et les portes étaient en train de s'ouvrir, Dieu est en train de restaurer comme les finances de cette personne-là qui était bloquée. Je prophétise et je déclare. Sur les 20 premières personnes qui sont allées au bas de leur écran et qui ont partagé ce live, qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit de même pour vous. Que ce qui est bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Je dis que ce qui est bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu débloque cela. Que la puissance de Dieu débloque cela. D'accord, je vais avancer avec Ndé parce qu'on me dit elle est là. Je ne sais plus si elle est là. Pendant que j'avance avec toi, Ndé, je suis en train de voir dans mon esprit, regarde, que le problème, la chose qui a fait échouer ton mariage, c'est ta voisine. Je prends mes responsabilités en te le disant, et tu sauras pourquoi. La personne qui a fait échouer ton mariage, c'est ta voisine togolaise. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ta voisine togolaise. Imprimerie Africa Conception Internationale. Je prophétise et je décrète partout où tu as partagé ce live que cette activité plus te régénérer des sous au nom de Jésus, même à la hauteur de ton travail. Parce que tu es dans un live avec un prophète, je te connecte à la grâce prophétique, je te connecte à la grâce du miracle et tu vivras pleinement la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est échec, qui est malheur dans cette entreprise, pendant que tu es en train de partager, pendant que tu es en train de partager, je prophétise que la réussite soit ton partage au nom de Jésus. Que la réussite soit ton partage au nom de Jésus. Je prophétise sur les 20 personnes qui sont allées partager. Je vois plus de 1000 personnes ici ce soir. Les plus de 20 personnes qui sont allées partager. Je décrète et je prophétise qu'il en soit ainsi dans vos vies au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Mais où est Sylvain? Je ne vois pas les commentaires. Il y a tellement de commentaires. Il y a tellement de commentaires. Je vois ici Milena. Je vois ici Milena. Je ne sais pas où elle me suit. Je vois pendant que tu as dit, j'ai partagé. J'ai vu la grâce de Dieu être rattachée à ta maman. Et la grâce de Dieu est en train de guérir ta maman. Voilà, on fait signe qu'elle est là. La personne confirme le message. On fait signe que Ndé confirme le message. D'accord. Tu as découvert dans ton téléphone portable que ton mari avait une relation avec ta voisine. C'est vrai ou faux? La voisine, la togolaise, je vais te dire ce qu'elle a eu à faire. Elle a pris ton porte, elle a pris dans mon esprit ton image, ta photo, parce qu'il y avait le projet de mariage. Elle voulait tout faire pour épouser ton mari. Tout faire pour épouser ton mari. Si tu confirmes, il faut écrire, je confirme. Elle voulait tout faire pour épouser ton mari. Elle a pris ta photo et je vois qu'elle est allée quelque part. Je vois qu'elle est allée quelque part. Là où elle est allée, elle a fait des mauvaises choses. Et je suis en train de voir que ce sont ces choses-là qui ont compromis ton mariage, le mariage que tu devais organiser. Aïe, 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 charabaille. Le mariage que tu devais organiser l'année passée, mais qui n'a plus eu lieu. Je décrète et je prophétise. On me fait signe que la personne est en train de confirmer le message. Comment le prophète est ici? Et vous doutez à la voix prophétique. Le prophète fait une prophétie et le prophète dit qu'il voit que son mariage a échoué. Parce que son partenaire a été attiré par sa voisine qui est béninoise togolaise là-bas et que cette dernière-là aurait eu à faire des mauvaises choses contre elle avec sa photo pour que ce mariage n'ait pas lieu. Oh, en effet, la personne est en train de confirmer le message. Vous êtes en train de le voir. La personne confirme le message ici. Je veux voir des bonnes confirmations. Je veux voir des bonnes confirmations. J'étais maintenant avec Madame Milena. Madame Milena, je suis en train de voir ta maman malade. Et ta maman malade, je suis en train de voir une attaque qui est descendu sur elle comme au niveau de ses pieds. Une attaque est descendue sur elle au niveau de ses pieds. Il y a un problème. Le problème, c'est que je te vois comme la plus grande dans la maison. Et tu as comme besoin d'aider tout le monde, mais tu es asphyxié financièrement. C'est compliqué pour toi. Et je suis en train de voir que tu as mis en place un projet. Non, calme-toi, s'il te plaît. Je suis en live. Calme-toi là. Voilà, tu as mis en place un projet. Tu as mis en place un projet. Aïe, 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 mes yeux sont ouverts ce soir. Je prophétise sur les 20 personnes qui ont passé. Si tu as partagé, dis j'ai partagé. Fais comme les autres. Tu as partagé, tu dis j'ai partagé.
Je suis en train de voir, je te vois mettre un projet en place. Et dans le projet, je vois dans mon esprit des choses rattachées à la manicure, à la pédicure et autres. Tu veux comme ouvrir dans mon esprit une structure. Milena, si elle confirme le message, cher administrateur, veuillez épingler le commentaire. Tu veux mettre en place une structure. Et la structure que tu veux mettre en place, c'est une structure qui va faire exactement... Je suis en train de voir, on est en train de traiter les femmes. On est en train de changer les angles et autres tout. Je vois une structure, on traite les femmes. Je vois comme des machines qui sont déjà installées à côté de toi. Et tu veux juste comme un petit financement pour pouvoir ouvrir pleinement. Mais je vois déjà la présence des machines. Et je vois, tu veux comme démarrer, tu veux ouvrir cette structure dans l'immédiat. Alors, si tu es là, si tu te reconnais, tu confirmes. Si tu ne te reconnais pas, n'aie pas honte. Tu es devant Dieu. Si tu mens aussi, Dieu va te frapper. Si tu ne te reconnais pas, tu dis, ah, prophète, j'ai du mal à me reconnaître et autres. Allez-y dans les détails. Et là, le prophète pourra aller dans les détails. Mais si tu te reconnais, tu écris en commentaire, je me reconnais, tout ce que vous dites, c'est vrai. Et on épingle de ton commentaire parce que Dieu ne ment pas. Le Dieu que nous prions, il donne des choses extraordinaires. Oh, là, bababa, chadaba. Je n'ai pas dit Mylène, hein. J'ai dit Milena. Maintenant, il y a une autre personne au nom de Mylène de Bruxelles qui confirme le message. Le prophète parle d'une Milena. Mais il y a une autre Mylène de Bruxelles qui confirme le message. Waouh! Vous savez, il y a des prophéties qui peuvent sortir et qui touchent plusieurs personnes en même temps. Là, il y a une coïncidence parce que l'autre s'appelle Milena et l'autre s'appelle Mylène. Mais la prophétie ici est adressée sur Madame Milena. Je décrète et je prophétise pour vous au nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de partager ce live. Je prophétise pour vous, je prophétise pour vos enfants. Je prophétise au nom de Jésus-Christ Nazareth. Une visitation divine dans vos maisons pour arranger vos problèmes. Une visitation divine dans vos maisons pour restaurer vos situations. Une visitation divine dans vos maisons pour vous faire sortir de tout embargo spirituel et mystique dans lequel vous vous trouvez. Pendant que tu es en train de partager ce live, Graziella, pendant que tu as dit vérité, on me dit que la personne confirme le message. C'est la vérité, c'est ma petite sœur. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Vérité, c'est ma petite sœur. Ah! Comment Dieu parle de manière extraordinaire comme ça? Comment est-ce que Dieu peut parler dans les détails comme ça? Le Dieu que nous prions n'a pas changé. Je prophétise pendant que tu es en train de parler, de partager ici et d'attirer le plus grand nombre de personnes. Qu'il en soit fait selon ta volonté au nom de Jésus. Que la grâce et la puissance de Dieu soient ton partage au nom de Jésus. Je relâche la faveur divine sur toi. Je relâche la faveur divine sur toi. Je relâche la faveur divine sur toi. Je suis avec qui? Qui d'autre a partagé? Qui d'autre a partagé? Qui d'autre a partagé? Une orientation prophétique. Oh, oh. Wow. J'ai un projet de salon de coiffure. La personne confirme le message ici. La personne confirme le message. Et le prophète a dit ceci, que toi tu vas épargner ta famille. J'ai vu comment le ciel va s'ouvrir. Et j'ai vu comment Dieu va te bénir. La bénédiction que le Seigneur apportera sur toi. Je suis en train de voir que c'est une bénédiction qui va toucher ta famille. Les gens seront honorés. Les gens seront bénis à cause de toi. À cause de toi, dans la famille à cause de toi. Je le déclare et je le prophétise pour quelqu'un ici. Appuyons sur des cœurs parce qu'on est signalé. Appuyons sur des cœurs, rapidement sur des cœurs. Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Nous sommes déjà des milliers de personnes. Appuyons sur des cœurs afin de bénir le plus grand nombre de personnes dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui as un projet de salon de coiffure, tu as un projet de voyage, que tous vos projets puissent se réaliser dans le nom de Jésus et par la force de la puissance de Dieu. Que vos projets puissent se réaliser, que vos projets puissent connaître la réussite, que vos projets puissent aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, le ministère prophétique est réel. Est-ce que nous pouvons toujours partager? Est-ce que nous pouvons toujours partager? Voilà, je ne vois pas des personnes commenter, je ne vois pas des personnes appuyer sur des cœurs. Je ne vois pas des personnes appuyer sur des cœurs. Je ne vois pas des personnes appuyer sur des cœurs. Pendant que tu es en train d'appuyer sur des cœurs et tu es en train de partager, mets ton nom en commentaire. Dis avec moi en commentaire, prophète localise, prophète localise, prophète localise-moi. Voilà, prophète localise-moi. J'ai déjà acheté le matériel. Ouh, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. La personne confirme le message, la personne confirme le message. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui voit tout. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui fait des grandes choses. Je vois des personnes ici qui sont à la quête de l'emploi, des personnes ici qui ont posé des dossiers.
des personnes qui ont posé des dossiers. Vous n'attendez rien qu'un appel. Vous n'attendez juste qu'un appel. Vous n'attendez juste qu'un appel. Dans le ministère prophétique, je l'ordonne au nom de Jésus. Vous allez recevoir ces appels. De partout où vous êtes en train de partager, vous allez recevoir ces appels. Ces appels viendront. 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 Est-ce que nous pouvons partager? Appuyez sur le cœur. Appuyez sur le cœur. Ces appels viendront. Ces appels viendront. Ces appels viendront. Emmanuel Lionel, mon fils, il faut faire attention. Je vois un accident derrière toi. J'insiste et je persiste. Je vois un accident derrière toi. Aïe, 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 aïe. Je vois ici une personne au nom de... Waouh, waouh, c'est... Waouh, ça a défilé, ça a défilé, ça a défilé. J'ai vu quoi? Les Chinja Ishida. Waouh, waouh, où tu me suis? Précise-moi où tu me suis. Parce que je vois une grâce, mais la grâce, elle est rattachée au Gabon. Je suis en train de voir dans mon esprit, pendant que je parle avec toi, tu as posé un dossier quelque part avec une autorité du pays. Écoute-moi bien. Tu as posé un dossier secret avec une autorité du pays. Nous sommes à des milliers de personnes ici. Est-ce que nous pouvons partager? La personne qui a partagé, tu écris en commentaire. Prophète, localise-moi, je tombe sur toi. Là, je suis sur Madame Lechinja. Madame Lechinja. Je vois dans mon esprit, tu as remis ton dossier avec une autorité supérieure dans ce pays. Une autorité supérieure dans ce pays. Je vois que cette autorité, il travaille dans l'armée. Il est dans l'armée. Et je vois même l'autorité est dans le CTRI. Il est dans le CTRI. Si on compte 5, il est parmi les 5. Je vois que tu as posé un dossier privé là-bas. Et je vois qu'on t'a rassuré en cachette. On t'a dit de ne dire à personne, de ne parler de ça à personne. La chose qu'on t'a dit, c'est que tu vas recevoir une grande nomination qui va passer dans peu de temps. Pourquoi? Parce que je suis en train de te voir, tu es dans une situation où tu es asphyxié financièrement. Tu as tellement de dettes. Ce n'est pas que tu ne travailles pas. Je te vois travailler. Je ne sais pas pourquoi on me montre le symbole de la forêt et de l'eau. On me montre le symbole de la forêt. Je ne sais pas si c'est les eaux et la forêt. Je t'ai vu travailler quelque part. Je t'ai vu, tu étais dans un endroit. Tu es en train de travailler. Mais je vois qu'hormis ça, tu as pris ton dossier, tu es allé voir quelqu'un, une autorité. Et cette autorité t'a promis ceci, que tu vas être appelé. Normalement, ça devait se faire avant décembre. Avant décembre. Mais il y a eu un petit problème et la personne t'a dit secrètement, attends le prochain conseil des ministres, tu vas être nommé. Je suis en train de voir, le Seigneur va t'amener très loin. Je prophétise ici aujourd'hui sur toi. Tu auras un haut poste de responsabilité dans ce pays. J'ai vu le Seigneur t'amener tellement loin. Le Seigneur faire des choses extraordinaires avec toi. Pendant que je suis en train de parler avec toi ici, Dieu m'a déjà donné le mandat de relâcher la grâce, de relâcher la faveur, de relâcher la bénédiction dans ta vie, afin que ce projet puisse réussir. Parce que où tu es là, je suis en train de voir que le monde des ténèbres s'est déjà comme acharné contre toi. C'est acharné contre toi de telles choses que vous avez reçues. Une maman qui a été accompagnée par un mauvais esprit. Mais vous avez reçu cette maman-là dans votre maison. Vous avez reçu une maman. Cette maman n'est pas directement de ta famille. Elle est de la famille de la personne avec qui tu es. La personne, vous l'avez reçue dans votre maison. Et quand vous avez reçu la personne dans la maison, toi tu as fait... Le lendemain, le même jour, tu as fait un rêve sur la personne dont je n'aimerais pas citer ici, de peur de peut-être frustrer les personnes qui sont autour de toi. Tu as fait un rêve. Et dans le rêve, il y avait comme une turbulence, il y avait comme une bagarre et ton esprit ne s'est pas senti à l'aise. Je vois que depuis la présence de la personne dans la maison, il y a eu comme des esprits qui ont été déposés dans la maison et ces esprits-là sont en train de contrôler tout. C'est pourquoi tu n'as plus de paix sur le plan relationnel, il y a comme une guerre qui s'est installée et je suis en train de te voir présentement, je parle avec toi, je te vois comme tu es en train de pleurer, je vois une personne qui est en train de pleurer. Mais l'Esprit de Dieu dit, mets-toi dans des prières intensives. Mets-toi dans des prières intensives. J'insiste et je persiste. Mets-toi dans des prières. Aïe. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Waouh. Mets-toi dans des prières intensives. Comment le prophète est chez lui? Le prophète localise une dame qui est là avec son dossier secret et son nom doit passer en conseil des ministres. Et vous ne voulez pas croire au ministère prophétique. Le ministère prophétique est réel. Toi qui dis prophète, localise-moi. Je décrète au nom de Jésus qu'il y ait une connexion divine.
il y a une connexion divine. À cet instant, partout, tu es en train d'appuyer sur des cœurs. Tu es en train d'appuyer sur des cœurs. Je relâche les anges dans ta maison. Je déclare que les anges de Dieu, les anges soient relâchés maintenant dans ta maison. Il y a un dossier. On compte. La personne est en train de dire vérité. La personne est en train de pleurer chez elle. La personne confirme et dit vérité. Voilà, nous avons épinglé le message. La personne confirme le message. Je suis en train de voir, regarde ce que tu vas faire tout le mois de février. Lave-toi avec du sel. Quand tu te lèves, tu sors. Lave-toi avec du sel. Lave-toi avec du sel et ça va enlever l'impact de la présence négative de la personne que vous avez reçue dans votre maison. Je n'ai pas dit la personne est sorcière, mais la personne a transporté des mauvaises présences qui sont en train de ralentir votre épanouissement dans le foyer. C'est en train de ralentir beaucoup de choses. Ce qui fait en sorte que malgré que tu travailles, tu ne peux pas joindre les deux bouts avec ton salaire. C'est compliqué, tu vas de difficulté en difficulté, de mal en pire. Mais je prophétise au nom de Jésus. Je vois cette nomination arriver, c'est déjà là, c'est déjà là. Je vois cette grande grâce arriver, c'est déjà là, c'est à côté de toi. Je vois cette grâce arriver, c'est à côté de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, retiens le nom que je vais te donner. Parce que je vois dans mon esprit, la personne l'a tenu un dossier, retiens le nom. Le nom commence par M et ça termine par Mbi. Le nom commence par M et ça termine par Mbi. Donc, Mbi. Mbi, ça commence par M et ça termine par Mbi. Je n'aimerais pas donner le nom en totalité. Ça commence par M et... aïe, 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 aïe. La personne est en train de confirmer ce message. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Est-ce que nous pouvons partager au maximum? Je tiens à préciser pour toutes les personnes qui sont là. Vous avez besoin de sujets de prière. Vous avez besoin d'être orienté. Laissez en toute urgence votre message sur le 076 23 60 91. Prophète, j'ai suivi votre live. Voici la situation par laquelle je passe. J'ai besoin d'être orienté par vous. J'ai besoin des prières. 076 23 60 91. Vous êtes à l'étranger. Mettez plus 241. Je suis avec Ambouroué. Je suis avec Ambouroué. J'ai juste vu le nom Ambouroué. Voilà, Ambouroué. Si Ambouroué est là, technicien, regardez chez Ambouroué. Ouf! C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Voilà, si Ambouroué est là, regardez chez Ambouroué. Je prophétise sur les 100 personnes, les 100 premières personnes qui ont partagé au moins 5 personnes. Si 100 personnes partagent à 5 personnes, nous touchons le plus grand nombre de personnes. Vous voyez, malgré que la page a été restreinte, nous sommes à des milliers de personnes. Ce qui veut dire que c'est vous qui faites la force. C'est vous qui faites la force. Vous savez, celui qui vit dans l'intimité prophétique, bien-aimé, peu importe où il est, il suffit qu'il soit connecté et il relâche les oracles. Je suis ici avec qui? Je suis ici, j'ai parlé d'Emmanuel Lionel. Emmanuel Lionel, j'ai vu un accident qui était rattaché à toi. L'Esprit de Dieu me dit, fais attention et prie beaucoup. Prie pourquoi? Parce que je vois dans mon esprit, tu as communiqué avec quelqu'un pour aller faire un séminaire, mais tu dois emprunter une voiture. Tu dois aller sur la route, c'est sur la route. J'aimerais taire l'endroit, ne vais pas à cet endroit. Si tu vas à cet endroit avant d'arriver, je t'ai vu faire un accident et c'était grave. Je suis avec Ambouroué. Pendant que je parle de Ambouroué, je suis en train de voir dans mon esprit, tu es en train de passer par une difficulté sur le plan des finances. La difficulté par laquelle tu passes, c'est que je suis en train de voir, on a bloqué au niveau professionnel. Je te vois sans emploi. Et parce que tu es sans emploi, je vois c'est tellement difficile. Il y a quelqu'un, c'est un monsieur qui t'a promis de l'argent. Parce que tu lui as fait part d'un projet de commerce que tu veux mettre en place, que tu veux ouvrir. Lorsque tu as fait part de ce commerce, la personne t'a promis de l'argent. Ce n'est pas moins de 5 millions. C'est beaucoup d'argent. On t'a promis de l'argent. Mais jusque-là, la personne qui t'a promis de l'argent, la personne-là ne veut même pas te donner de l'argent. Est-ce que vous savez dans le monde spirituel que la sorcellerie attaque les personnes qui sont censées vous bénir? La sorcellerie attaque plus les personnes qui sont censées vous bénir. C'est pourquoi, bien aimé, être en perpétuel état de prière vous épargne et vous éloigne des œuvres de l'ennemi, des stratégies de l'ennemi. C'est pourquoi vous qui êtes ici, le 076 23 60 91, c'est le numéro sur lequel vous devez laisser votre message. Je demande à toutes les personnes qui sont là d'écrire ce numéro. Prophète, voici la situation par laquelle je passe. Oh, on me dit que la personne confirme le message. C'est fort. C'est fort, prophète Marcus. La personne confirme le message. C'est fort, prophète Marcus. Je vais prendre encore rapidement 10 personnes. 10 personnes. Je suis dans mon état là. 10 personnes. Il y a qui d'autre? Donc, cette dame-là,
quelqu'un promet de l'argent, plus de 5 millions, beaucoup d'argent, mais elle est confrontée à un problème, c'est que la personne, depuis qu'il a promis, n'a pas encore donné de l'argent. Elle se dit que c'est simple. Ce n'est pas simple. Je suis en train de voir que c'est l'esprit, parce que sur toi, il y a un esprit qui t'a collé. Il y a un esprit qui t'a collé. Ce que tu dois faire, il faut observer un jeûne même de 3 mois. Durant les 3 mois, lave-toi avec le sel. Parce que ta vie n'est pas ici au Gabon. Écoute-moi bien. Ta vie n'est pas ici au Gabon. C'est pourquoi tu rencontres des échecs sur des échecs. Des problèmes sur des problèmes. Des malédictions sur des malédictions ici au niveau du Gabon. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas au Gabon. Ta vie se trouve en Europe. Tu te rappelles, il y a de cela 7 ans, toi tu devais être en Europe. 7 ans en arrière, tu devais être en Europe. Tu avais rencontré un Européen sur ton chemin. Et la personne s'était décidée de t'amener au niveau de l'Europe. Mais je vois dans mon esprit que tout était allé, tout était allé dans les embûches. Tout était allé dans les embûches. D'échec en échec, tout était allé comme ça, dans les embûches. Je prophétise et je le déclare sur ta vie. Si je suis prophète de Dieu et je reçois ces choses de la part du Seigneur, ce qui a été combattu par le diable, le Seigneur va l'actualiser dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur va l'actualiser dans ta vie au nom de Jésus. Les personnes qui sont connectées ce soir, je déclare au nom de Jésus que la destinée qui était freinée, la destinée qui était arrêtée, que cette destinée au nom de Jésus reprenne sa vitesse. Marabaya. Je suis avec Jérémie. Je vois ici un Jérémie. Oh, je vois ma fille Inès. Je vois ma fille Inès. Ma fille, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Pendant que j'ai vu ton nom, un message a traversé mon esprit. Je suis avec Jérémie. Jérémie, tu es en train de préparer dans mon esprit des fiançailles. Mais la même personne avec qui tu l'année passée, tu as voulu faire des fiançailles avec une femme, ça a raté. C'est que je vois. Pas que tu as dit à quelqu'un. Tu as voulu faire des fiançailles, ça a raté. Je vois même que tu étais confronté dans un problème où comme ta belle famille voulait s'élever contre toi pour te faire du mal. Comment t'as agressé? Je vois une personne qu'on a agressée. Je parle ici d'un Jérémie, je n'ai pas vu le nom. Mais je vois que tu as été agressé par ta belle famille. Tu as laissé la fille là, tu es passé à autre chose. Après, tu as rencontré une nouvelle fille. La nouvelle fille, là, tu es en train d'organiser des fiançailles avec elle. Et tu es confronté comme au même problème. Et tu te dis, mais pourquoi l'année passée, je voulais me fiancer? J'avais vu ces signes-là, les mêmes signes que j'avais vus avec celle que je voulais épouser l'année passée, là. C'est les mêmes signes que je suis en train de voir avec la nouvelle que j'ai envie de prendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, ce n'est pas les filles, le problème, c'est toi. Je suis en train de voir une forte consécration sur ta vie. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de te dire, il faut prier. Si c'est vrai, tu dis c'est vrai. Si c'est faux, n'aie pas honte. Dis, prophète, je ne connais pas ça, c'est faux. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, c'est une forte réclamation sur toi. Je suis en train de voir, il y a un homme qui est décédé chez toi. Je vois cet homme-là dans mon esprit, il était comme un notable dans un village. Il s'appelait précisément Papa Jean. Il est décédé depuis longtemps. Lorsqu'il est décédé, le monsieur avait plus de 2 femmes. Et je suis en train de voir que ce sont ces liens-là qui sont en train de te poursuivre. Parce qu'il y a comme un esprit de débauche que le diable, l'ennemi, a comme relâché sur toi. Or, la personne confirme le message. Yeah! Dieu est grand. Dieu est grand. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La personne confirme le message. Le prophète dit que ce monsieur a voulu se marier l'année passée. Il a été agressé par sa belle famille. Il a pris encore une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne-là, il voit des signes dont je n'aimerais pas aborder ici. Peut-être il est avec elle. Donc, je n'aimerais pas que le foyer rentre dans la frustration. Je prophétise et je décrète. Parasika, Janama, Roseketeve, Jikatapai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce qui a échoué l'année passée sur toi, Jérémie, n'échouera pas au nom de Jésus. Il confirme sur la personne qui s'appelait Jean, qui était marié à 2 femmes. Aïe, 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 aïe. Il faut demander parmi les 2 femmes qui s'appelaient Françoise. Je suis en train de voir, ce sont des hôtels de réclamation. Parfois, vous avez des projets de mariage. Vous voulez vous marier. Vous avez l'impression que ça échoue. Ça ne marche pas. Le problème, c'est quoi? C'est pas forcément à cause des comportements. C'est pas forcément à cause de toi. Parfois, il y a des hôtels dans la famille là. Avant que tu ne viennes dans la famille, il y a une génération ancienne qui avait dit des mauvaises choses. Et ces choses-là sont en train de vous poursuivre. Je prophétise la grâce. Je prophétise la grâce. Je prophétise la grâce. Je prophétise la faveur. Je prophétise la bénédiction. Je prophétise que ce mariage va
réussir. C'est pour cela, toi maintenant, prends le numéro. Je vais voir, il y a plus de 1000 personnes ici. Je vais voir plus de 1000 messages sur mon WhatsApp. Je vais prendre la peine de répondre ce soir. Laisse un message sur le 076 23 60 91 et dis, prophète, voici la situation que je traverse. J'ai besoin d'être orienté par toi. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu dans ce domaine. J'ai besoin que Dieu me parle. 076 23 60 91. Prophète, oriente-moi, 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 oriente-moi et oriente-moi. Oriente-moi et oriente-moi. Ne laisse pas que ta situation soit comme ça. Je vois des milliers de personnes ce soir. Ne laisse pas que ta situation puisse être agonisante. Ne laisse pas que ta situation puisse être dans un état comateuse. Ne laisse pas que ta situation puisse être comme ça, non. Tu peux changer des choses, tu peux changer des choses, tu peux changer des choses. Je prophétise la grâce au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je vois Sonia Gaze Burtman. Madame Sonia, cherchez à me contacter rapidement en inbox. Je vais vous parler dans mon esprit de quelque chose qui est arrivé sur le plan relationnel. Oui, 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 oui. Quelque chose qui est arrivé sur le plan relationnel. Aïe, ça commence à monter ce soir. Est-ce que nous pouvons toujours partager? Quelque chose qui est arrivé sur le plan relationnel. Mais rassure-toi là où tu es, que la puissance de Dieu est descendue sur toi. Dieu n'a pas seulement localisé ton nom par la bouche d'un prophète, mais Dieu aussi a réglé une situation. Il y a des personnes qui me suivent ici, vous avez du mal enfanté. Dieu est capable de restaurer cette situation. Dieu est capable d'arranger cette situation. Il y a des personnes qui me suivent ici, on vous a déclaré séropositif. On vous a déclaré cancéreux. Dieu est capable d'arranger cette situation. Dieu est capable de changer les choses. Je demande à mon équipe de communication d'épingler le numéro. Je prophétise et je décrète au nom de Jésus que cette situation ne sera pas la même. Cette situation changera. Je vois Victor Boss qui est connecté ici. Alors Victor Boss, je suis en train de voir dans mon esprit, il faut me contacter en inbox. Parce que je vois une activité lucrative que tu as envie de mettre en place. Et cette activité va tellement régénérer les sous. Je prophétise la grâce, je prophétise la faveur et je prophétise la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était échec soit changé en réussite. Que tout ce qui était malheur, malédiction soit changé en prospérité et en faveur divine. Je relâche la faveur de Dieu sur toi, malgré les contestations des hommes contre ta personne. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu touche ta vie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que tu as partagé, tu as dit amen. Reçois cela là où tu es. Reçois cela là où tu es au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Ce soir, je reviens à vous sur le thème prophète TV Joshua. Est-il un vrai ou un faux prophète? Et je vais vous partager les révélations que Dieu m'a données sur le prophète TTB Joshua. Et je vais éclairer le corps de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je n'ai pas l'heure de la fin du match de ce soir. Vous pouvez m'aider, donnez-moi l'heure s'il vous plaît pour que je fasse le live. Sinon c'est 21h, à partir de 21h, je suis déjà sur mon portable. Voilà, et je viens vous donner des révélations sur la vie du prophète Tébé Joshua et des témoignages sur mes persécutions aussi. Donnez-moi juste l'heure de la fin du match. Je vois des milliers de personnes ici. Donnez-moi juste l'heure de la fin du match. L'heure de la fin du match, s'il vous plaît. Sinon, à 21h, je serai sur mon écran. Voilà, si personne n'a l'heure, à 21h, je serai sur mon écran et je vais parler sur le thème « Oh Marie Bourgeoise, sois bénie, oh Vonophélie, sois bénie Hortense Nki, sois bénie Madame Hortense Nki, je vais vous parler d'une personne dans votre famille. Waouh, waouh, écrivez-moi en inbox. Je demande aux administrateurs qui sont sur ma page de mettre mon 076 23 60 91 pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi. 076 23 60 91, 076 23 60 91, 076 23 60 91. 0.16, notez cela. 0.16, 23, 60, 91. Et pour toutes les personnes qui sont sur le territoire français, n'oubliez pas qu'en juin, je serai chez vous. En juin, je serai chez vous. Donc, laissez aussi le message si vous voulez participer à l'événement que j'organise là-bas. Voilà. Si vous voulez participer à l'événement que j'organise là-bas, bien-aimés dans le Seigneur, laissez aussi vos messages en inbox sur le 0.16, 23, 60, 91. 0.16, 23, 60, 91. Est-ce que vous pouvez épingler ça? Un côté, vous mettez 0,76, 23, 60, 91 pour ceux qui sont au Gabon et pour ceux qui sont à l'international, plus 241
et vous enlevez le 0, vous mettez juste 76, 23, 64, vous mettez 11. Je demande à toutes les personnes, des personnes de bonne foi qui peuvent m'aider à le faire, faites-le rapidement. Voilà, on ne m'a pas donné l'heure de la fin du match. Voilà, parce que quand il y a le match là, tout le monde, vous êtes concentré dans le match. Donc, c'est tellement saturé et autres tout. Donc, j'aimerais faire le live à tête posée. On va diffuser aussi le live sur TikTok afin de défier le plus grand nombre de personnes. Donc, on va diffuser aussi le live sur TikTok afin de défier le plus grand nombre de personnes. Donc, là où vous êtes, maximum de partage, maximum de partage. Et pendant que vous le faites, que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, 076 23 71 pour les nationaux et plus 241 76 23 71 pour les internationaux. Je n'ai pas encore vu le message ici. Le message n'a pas été épinglé. Laissez-moi rapidement un message. Laissez-moi rapidement un message sur ce numéro. Si plus de 2000 personnes écrivent, ce sera compliqué. Je vais répondre cette nuit spécialement à 1000 personnes. Donc, les 1000 premières personnes qui vont laisser leur sujet de prière, nous allons leur orienter de manière prophétique. Voilà. On ne m'a pas donné l'heure de la fin du match. C'est quelle heure? 21h. Sinon, 21h, je suis sur ma caméra. 21h, je suis sur mon écran. 21h, je suis sur mon écran. Voilà. Merci, évangéliste Watt. Plus 241. Place. 2, 4, 1, 7, 6, 2, 3, 6, 0, 9, 1. Donc, plus 241. 76, 23, 60. 91, laissez rapidement votre message WhatsApp et dites, prophète, je passe par cette situation, j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu, j'ai besoin d'être orienté de manière prophétique et nous allons pouvoir t'orienter, nous allons prier pour toi et je crois que Dieu sera honoré. Bien-aimé dans le Seigneur, je me réjouis pour cette annonce que je vous ai fait passer et je crois que vous avez été bénis et ce soir, nous allons aborder sur le fait de l'actualité, sur la véracité du ministère du prophète Tibi Joshua. Est-il un vrai prophète ou un faux prophète? Mais je peux déjà vous rassurer que je suis ce que je suis en partie à cause du ministère de cet homme. Mais puisqu'il y a des opinions diverses et autres, le but n'est pas de condamner ceux qui ont ces opinions, mais bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir mieux les éclairer, afin qu'ils sachent parfois qu'ils sont dans la dérive, afin qu'ils sachent que le diable utilise plusieurs stratégies afin de détourner les hommes de la voie du Christ. Ce soir, lorsqu'il sera 21h, sur la plateforme Église Synagogue du Gabon, prophète sacrificateur Marcus, prophète Emmanuel Nzoma, le live sera cross-porté afin que le plus grand nombre de personnes puissent le suivre. Et Dieu sera richement béni. Je ferai aussi le live sur la plateforme TikTok, soit de la page sur le TikTok de Emmanuel Junior, ou si ce n'est pas sur le TikTok d'Emmanuel Junior, je ferai sur le TikTok de l'évangéliste Watt. Que Dieu vous bénisse. Pour le programme des cultes, c'est juste dans quelques semaines, samedi, j'aurai une réunion en privé. Et après cette réunion, bien aimé le Seigneur, je crois qu'on aura le privilège 2024. Ouh, ce sera magnifique. Je vous aime beaucoup et merci. Que Dieu vous bénisse. Ali Dabak, sois béni. Crésus tout court, sois béni. Marie Stella, sois béni. Sophie Glory, sois bénie. Sophie, je ne t'ai pas vu dans le comité. Je suis en train d'arriver chez vous l'été prochain. Il faut m'écrire en inbox. J'ai besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Christelle, du Christ, sois bénie. Mélissa Nguema, sois bénie. Madeleine Mousseveau, que la grâce de Dieu soit votre partage. À tout à l'heure. Shalom.